Nous avons assisté ensemble, en présence du président de PSA, au lancement d'une partie de l'usine qui est la partie moteur, le cœur de l'usine de PSA. Il tenait absolument à prendre le temps de recevoir ses équipementiers et de faire en sorte que les gens voient de visu l'état d'évolution de la construction de l'usine. L'usine est exactement comme elle a été prévue, c'est-à-dire la plus évoluée technologiquement qui existe dans le monde. Peugeot a choisi, avec notre demande, d'avoir l'usine la plus avancée. C'est le cas. Donc elle permettra de faire des usines, des véhicules diesel, essence, mais aussi des véhicules électriques et hybrides à terme. Donc c'est exactement ce que l'on souhaitait. Nous sommes totalement dans le planning tel qu'il a été prévu. C'est un projet qui a eu un prix à Dubaï d'un des meilleurs projets gérés, et c'est aussi la position de PSA. Ils sont un peu partout dans le monde et considèrent que leur plus belle réalisation en termes de partenariat public-privé a été au Maroc. Donc ce projet verra le jour comme prévu en 2019 avec un taux d'intégration important, au-delà de 60%. Donc voilà, tel que c'était prévu. Je pense que 100% des entreprises sont marocaines à date. Hein, c'est SGTM qui a l'ensemble. Donc voilà. Mais si elle n'était pas compétitive, elle n'aurait pas eu ses marchés. Il faut qu'elle soit compétitive. L'objectif du Maroc n'est pas de soutenir des entreprises non compétitives. Et nous avons la capacité d'avoir des entreprises au tout premier plan dans tous les domaines. Le comité stratégique que vous présidez, vous Évidemment, il est là pour ça et on respecte ce que nous avons signé. Nous avons des réunions régulières et nous faisons le point sur tous les sujets que nous avons signés ensemble. Et nous sommes ravis, c'est rare qu'un projet soit signé 2 ans avant et que 2 ans après vous soyez exactement dans les prévisions. Ben, ils ont deux volets, hein. Ils ont la construction de véhicules, d'automobiles, à la fois l'usine qui est la leur, mais l'ensemble de l'écosystème qui est autour d'eux. Là, nous sommes au-delà de nos espérances. Comme vous l'avez entendu, la zone qui était prévue ici pour jusqu'en 2020, aujourd'hui est à 70% déjà de vendus, de commercialisés. Donc nous avons lancé la deuxième phase de cette zone. Donc c'est un projet qui, sur cet aspect-là, dépasse les objectifs. Le deuxième volet, qui est la partie commerciale. Il faut savoir que PSA existe depuis très longtemps au Maroc, Peugeot, sur le volet de vente des véhicules. Et là, ils souhaitent gagner de la part de marché parce qu'ils veulent avoir un vrai partenariat avec le Maroc sur tous les plans, y compris sur le commercial. Donc ils ont une vraie stratégie de changer leur démarche commerciale pour gagner des parts de marché.